Bienvenue, je vais vous montrer ici un super outil complètement gratuit qui va vous permettre de trouver plein de mots-clés sur n'importe quelle thématique qui sont basés sur les questions que se posent le plus les gens. Donc ça va être des mots-clés extrêmement populaires et l'outil est complètement gratuit, vous allez pouvoir l'utiliser d'ici quelques secondes. Alors pourquoi trouver des mots-clés, donc des mots-clés courts et également des mots-clés de longue traîne? Eh bien la première raison c'est que ça va vous permettre de créer des contenus que les gens veulent vraiment avoir et donc ça va vraiment vous motiver, par exemple si vous avez un blog, à rédiger des articles qui vont être populaires, qui vont répondre par exemple à des questions que les gens se posent vraiment. La deuxième raison, c'est bien évidemment d'être bien référencé sur Google si vous écrivez par exemple des articles de blog ou sur YouTube si vous faites par exemple des vidéos pour les mettre sur YouTube et donc obtenir plus de trafic, être trouvé, grossir votre audience et si vous vendez des choses que ce soit en affiliation ou vos propres produits, ça va vous permettre également d'avoir beaucoup plus de ventes et de crédibilité puisque vous allez aider les gens à résoudre leurs problèmes puisque vous allez utiliser des mots-clés qui sont basés sur les questions qu'ils se posent le plus. Alors rassurez-vous, cet outil c'est pas Google AdWords parce que tout le monde le connaît celui-là, c'est un truc qui n'est pas forcément connu mais que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant, vous allez voir c'est hyper bien foutu, on passe tout de suite derrière mon écran. Alors regardez les amis, il suffit d'aller sur ce site-là, answerthepublic.com et vous allez voir ce qui se passe. On clique ici, on choisit un langage, par exemple ici le français et regardez les amis ce qui va se passer. Je vais taper par exemple un mot-clé, musculation et on va cliquer ici sur Get Questions et automatiquement l'outil va récupérer à la fois de Bing et de Google toutes les questions les plus posées, les plus populaires en rapport avec la musculation et regardez un petit peu, vous pouvez sauvegarder ici l'image et regardez les amis ce qui se passe. Vous avez ici selon les différents mots, par exemple comment, par exemple ici que, quel, lequel, pourquoi, par exemple ici pourquoi musculation arrête croissance, musculation pourquoi je ne prends pas de muscles, musculation pourquoi travailler les jambes. Vous avez des centaines de mots-clés d'un seul coup basés sur les questions les plus populaires en un seul clic. Alors ce site-là, il est complètement gratuit et donc vous imaginez un petit peu les super mots-clés que vous pouvez trouver comme ça, musculation ou cardio pour perdre de la graisse, mais tout de suite ça vous donne des superbes idées pour créer des contenus aussi bien de texte pour votre blog ou pour des vidéos sur YouTube pour être extrêmement bien référencé. Vous voyez, ça s'arrête pas là, vous avez encore plein d'autres trucs ici avec d'autres mots. Ici vous avez comme, pour, musculation pour le fight, musculation pour maigrir, musculation pour débutants, ici près de, donc vous voyez club de musculation près de chez moi, toutes les requêtes les plus tapées, vous les avez ici avec des superbes diagrammes, des diagrammes qui sont vraiment très innovants. Et vous voyez ici, vous avez même ici les comparaisons. Par exemple, ici, vous avez des mots de comparaison, comme par exemple « ou ». Donc ici, vous voyez, vous avez des mots-clés, même de longue traîne, musculation ou cardio pour perdre du gras, musculation ou renforcement musculaire. Et ici, vous avez par ordre alphabétique une liste de tous les mots-clés. Donc vous voyez, en un seul clic, vous avez récupéré comme ça, littéralement, des centaines de mots-clés qui peuvent vraiment vous inspirer. Et voilà. Voilà pour cette astuce rapide. Vous êtes limité normalement dans la version gratuite à seulement 3 recherches par jour, je pense. Mais vous pouvez, en utilisant par exemple un VPN, changer d'adresse IP pour refaire des nouvelles recherches ou ouvrir peut-être un navigateur en mode privé. Si vous avez aimé cette astuce, mettez-moi un énorme like sur la vidéo, profitez bien de ce superbe site qui remplace largement Google AdWords et surtout ça trouve des requêtes que les gens ne pensent pas forcément à utiliser, notamment dans leur publicité. Donc mettez-moi un énorme pouce vers le haut et je vous souhaite une excellente journée et une superbe recherche avec cet outil.